my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just... Donc voici la machine qu'Anthony a pris. Donc là c'est pour faire les angles, c'est ça? Oui, là il y a les degrés. 90, 120, 150, 180. D'accord. Et là c'est pour faire droit. Angle droit. Voilà. Ok. Et on le met sur le mur. Et comment ça s'appelle ça du coup? Ça s'appelle comme ça. C'est ça. C'est ça la marque. Voilà. Voilà. Et c'est une quoi? Non mais une boîte à découpe. C'est une boîte à... Ça fait boîte à, à découpe et fausse équerre aussi. Fausse équerre. D'accord. Quand tu fais les angles, tu mets comme ça dedans et tu le sais. Moi, je petit cours de bricolage. Voilà. D'accord. Quand tu coupes là, tu sais avec ton angle. Ah ouais. C'est pas mal en tout cas. Chaîne, je cherche mes mots là aujourd'hui. Nous sommes samedi 18 avril, si je dis pas de bêtises. Ce matin, Anthony a posé les plaintes. Franchement, ça change tout. Moi, les plaintes, quand il n'y avait pas les plaintes, on voyait que ça en fait, la bordure qui était vraiment pas terrible. Et là, franchement, quand il a posé les plaintes, Anthony, c'était rien à voir. Du coup, je vous ai montré tout ça. C'est donc au niveau de la référence, c'est ça que je cherchais. Voilà. Au niveau de la référence de la plainte, je ne la connais pas par cœur. C'est une plainte qu'on a achetée, enfin, c'est des plaintes qu'on a achetées sur le site de Leroy Merlin. On a juste tapé plainte moulée, voilà. Et vous regardez, il y a plein de styles de plaintes moulées. Nous on a pris celle-ci parce qu'on aimait bien, mais il y a vraiment plein d'autres modèles. Et voilà. Et si jamais vous voulez vraiment la référence exacte, ben, je vous invite à me rejoindre sur Insta, familyforever.home, et je vous donnerai, enfin je vous ferai une petite capture d'écran de la plainte en question, enfin de la référence et tout ça. Voilà, et elle coûtait 7,99€. Quand ça c'est fait, c'est réglé, j'ai répondu aux questions sur la plainte. Aujourd'hui, bah rien de particulier, ça va être petite promenade je pense en forêt tout à l'heure avec les enfants puisqu'on est très limité et qu'on peut pas faire grand chose. Malheureusement, on est vraiment, on fait toujours les mêmes choses quand on sort et ça va nous faire du bien quand même de penser à autre chose qu'aux travaux, de s'aérer un petit peu l'esprit et tout et tout. Pendant les travaux, j'ai eu des news ce matin même, donc c'est encore tout chaud, je vais vous dire ça tout de suite. C'est concernant le devis, vous savez, pour le carrelage. Donc le monsieur m'a envoyé le devis ce matin et il nous a fait un devis global avec le salon, la salle à manger, la buanderie et l'entrée. Avec Anthony, on se disait mais on va, quel est le chiffre qu'il va nous annoncer? On en pensait 4 000, 5 000 euros et au final, agréablement surprise, franchement, on est à 2500 euros pour tout. On est à 2500 euros pour tout ce qui reste là. Mais on était vraiment étonnés si vous voulez parce qu'en fait nous on avait fait notre calcul par rapport à la cuisine qui nous avait déjà coûté 1000 euros pour le retrait et la pose. Donc on s'est dit là vu qu'on a beaucoup plus en surface ça va être 3 fois ça quoi minimum. Donc 3 fois ça ouais voire un peu plus on sait pas trop des fois vous savez avec les... Surtout que là on n'a pas la colle, c'est lui qui nous la ramène et tout. Donc là quand on a vu 2500 on s'est dit... C'est bien, surtout qu'on connaît l'artisan, c'est lui qui nous a posé les plaintes. Donc du coup on lui a dit ok, pas de soucis. Sauf que bah voilà, le problème c'est qu'on va quand même pas pouvoir tout faire en même temps vu qu'on peut pas tout stocker ailleurs. Donc voilà, on va voir avec eux pour faire comme je vous ai dit en deux fois le salon d'un côté et puis entrée, buanderie, tout ça pour que ce soit plus gérable pour nous, voilà, pour que ce soit plus facile avec les enfants. Mais voilà, c'est une très bonne chose de fait, on est content. Voilà, on est content. Bref, autre chose.
Du coup, au passage, je voulais faire une petite parenthèse concernant une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière sur des produits d'entretien de la marque Cligny. J'ai eu pas mal de remarques, même des petits messages sur Insta pour me dire que j'avais pas été honnête, etc. Que d'autres youtubeuses avaient dit que c'était pas un bon produit et que moi je l'avais vendu comme un bon produit, etc. Enfin bref, du coup je voulais clarifier un petit peu tout ça parce qu'en fait je peux pas répondre à tout le monde pour dire 50 fois la même chose. Je préfère faire une vidéo, voilà, même s'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées, du coup vous pouvez zapper ce petit aparté, voilà. Et du coup je voulais revenir par rapport à ça. On m'a dit en commentaire, tu reçois déjà, alors ton avis n'était pas honnête parce que tu nous incites à acheter, parce que t'as des commissions sur les ventes. Alors ça, c'est, je voulais vraiment revenir dessus parce que non, je n'ai pas de commission sur les ventes. On a un contrat et on est payé à la vidéo, voilà. Après, que ça plaise, qu'il y ait des ventes derrière, ça n'a pas du tout d'incidence, si vous voulez, sur ma rémunération. Quand la marque m'a contactée, elle m'a... Voilà, expliqué, elle m'a envoyé, si vous voulez, le descriptif du produit. Moi, ça m'a plu d'emblée parce que déjà, je voyais cette marque circuler en fait sur mon feed Instagram et je trouvais que c'était super intéressant, les pastilles qui vont se dissoudre dans l'eau et qui vont donc créer un produit d'entretien. Voilà pourquoi j'ai accepté le partenariat. Alors, certains vont me dire, ne te justifie pas, laisse parler, etc. Je me justifie pas. Juste, je clarifie les choses pour pas qu'on dise n'importe quoi. C'est surtout ça. Donc, de base, je reçois une rémunération pour présenter la vidéo, pour présenter les produits. Je ne reçois pas de commission pour les ventes. Et ça, c'est vraiment différent. Ça n'a vraiment rien à voir. Je suis et je resterai toujours fidèle à moi-même. Et si un produit me plaît pas, en fait, de base, j'accepte pas, en fait. J'accepte pas du tout. On m'a proposé plein de choses. Franchement, des trucs farfelus. J'ai pas accepté. Moi, je prends quand c'est en rapport avec le nettoyage, quand c'est en rapport avec, voilà, la maison, la déco, les trucs qui pourraient m'intéresser. Si c'est en rapport avec un bon plan ou une astuce que je pourrais vous présenter et vous faire découvrir. Mais si c'est un truc qui me plaît pas, même si c'est rémunéré, je ne prends pas. Ça, je l'ai déjà expliqué. Je ne suis pas comme ça vénale à vouloir à tout prix faire tous les partenariats, c'est faux, j'en ai refusé plein. Mais quand on me dit qu'en fait j'incite à acheter dans une vidéo, c'est faux, je n'incite personne à acheter. Je fais mon partenariat, si des personnes souhaitent regarder sur le site, si le concept vous plaît, pourquoi pas, mais si ça vous intéresse pas et que vous vous dites bah ça c'est pas du tout un produit pour moi, j'ai pas envie d'acheter, moi ça m'importe peu si vous voulez, il n'y a pas d'incident tout. Je vous fais découvrir un produit, je vous fais découvrir un concept, c'est ça en fait que moi je trouve bien, c'est que c'était un produit nouveau, c'était pas un simple produit. On m'a dit oui mais tu nous dis que c'est un produit qui est plus efficace qu'un autre, qui est extraordinaire, etc. Or c'est faux, j'ai dit que pour un produit écologique, il était tout aussi efficace qu'un autre, c'est différent. Donc vous voyez comme quoi les mots c'est parfois très mal interprété et c'est un peu pénible quoi. Parce que oui il est efficace pour un produit écolo, c'est ça que j'ai dit. Alors après on m'a dit ouais mais certaines youtubeuses ont dit complètement le contraire, que la bouteille elle fuit, etc. Alors c'est chaque expérience est différente. Vous pouvez acheter demain un produit Cif à Leclerc, vous allez tomber sur une bouteille qui fuit, vous allez pas dire toutes les bouteilles de Cif sont nulles, franchement j'aime pas. Voilà, moi j'allais pas vous dire ma bouteille elle fuit si c'est pas le cas. Surtout que je vous montre les produits en gros plan et en fait la marque voulait justement un unboxing du produit. Si vous voulez ma réaction sur l'instant T, comment je perçois le truc et tout et tout. Et donc j'ai découvert les produits en même temps que vous. Ça faisait pas 10 ans que je les utilisais. J'ai découvert en même temps, j'ai nettoyé ma cuisine le jour où j'avais besoin de le faire avec les produits et je les ai trouvés efficaces. J'ai pas eu de film gras sur ma table laquée comme certains ont pu me dire mais si ça laisse un film gras, bah non chez moi j'ai pas eu de film gras. Quand il y a un film gras je le dis, ça m'aurait fait quoi de dire bah par contre sur ma table de cuisine ça m'a laissé un film gras, ça m'aurait rien fait de le dire. Sauf qu'il n'y avait pas de film gras, voilà. Et concernant le produit à vitre, on m'a dit mais certaines disent que ça laisse des traces. Bah chez moi il n'y avait pas de traces, voilà. Pareil, moi je suis très sensible aux produits à vitre, j'aime bien quand il n'y a pas de traces, j'ai pas envie de passer 3 heures à nettoyer, donc ce produit-là, il m'a laissé aucune vitre sur mon miroir qui est derrière, sur la vitre dans la chambre des enfants, pareil, aucun souci, donc j'ai pas menti du tout. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible quand on dit, ouais, elle a menti, elle a inventé ceci. Et concernant l'odeur des produits, on m'a dit comment ça se fait qu'il y a d'autres youtubeuses qui disent dans leurs vidéos que ça n'a pas d'odeur, que ça sent pas bon, etc.
Alors, moi, dans la vidéo, je l'ai bien précisé, pourtant, des fois, je sais pas, je me demande si les vidéos sont écoutées avec le son ou sans le son. Parce que dans la vidéo, je dis bien qu'il y a une odeur qui est légère, en fait, une odeur d'aloe vera. Donc moi, ça me plaît les produits qui n'ont pas trop d'odeur, parce que j'utilise, quand je fais mon ménage, déjà un diffuseur d'huiles essentielles. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des produits qui sentent fort, c'est pas l'odeur qui fait l'efficacité du produit. Voilà, donc... qui n'ait pas trop d'odeur, je l'ai dit. Alors après, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des produits qui sentent fort quand ils font le ménage ou qui sentent vraiment... parce qu'il y a des produits qui sentent quand même relativement fort dans les produits d'entretien, à côté, ce produit-là, forcément, vous allez vous dire, bah, il sent rien. Or, il y a une petite odeur qui est juste subtile, légère, et pour moi, c'est juste parfait, parce que j'ai pas envie d'avoir des tonnes d'odeurs. Je vais juste clarifier par rapport à ça, parce que, voilà, quand il y a des choses qui se disent comme ça et qui sont pas vraies, forcément, ça... on a envie de dire les choses, on a envie de clarifier, voilà. Une fois que c'est dit, c'est réglé, on passe à autre chose, et tout va bien. Pendant ce temps, donc, Anthony a continué les plaintes. Il dit pâte au thon et aux olives, voilà, j'ai juste réchauffé. Bon, du coup, on vous reprend depuis la voiture. On va à Leclerc Drive pour récupérer notre commande. C'est une petite commande, mais on avait besoin de 2-3 petits trucs là qui manquaient et que j'avais pas trouvé hier à Lidl, notamment des gâteaux pour les enfants, leur marque fétiche, on va dire. Et ça, j'ai pas trouvé hier. Anthony, est-ce que tu peux expliquer à mes abonnés que je t'ai battu au foot? Ah non, non, non. Non, il veut pas le dire. Je lui ai fait des passements de jambes, comme personne ne peut faire. Je lui ai mis des têtes, ouais. Comme ça, des têtes, ouais, des têtes avec des bustes aussi. Je lui ai tout fait. Surtout. Il pensait que j'étais pas douée au foot, ouais, et il s'est avéré que je l'ai battu. Non, non. J'ai eu 25 buts contre 12. Donc demain, je me filmerai. Je filmerai mes passements de jambes comme ça, et vous verrez qui est la winneuse. Donc je vous montre ce que j'ai pris. J'avais besoin surtout de céréales à la base. Et du coup bah, j'ai pris 2-3 autres petites choses. Donc j'ai pris ces glaces là que je ne connais absolument pas. C'est la marque Nuit. Mais ça m'a donné trop envie franchement. Donc amande et vanille de Java. Voilà. Pour Anthony j'ai pris des... enfin pour Anthony les enfants. Enfin bref c'est pour tout le monde. Hein. J'ai pris des glaces comme ça. Chocolat blanc cookies. Des nuggets de volaille comme ça pour dépanner le midi, du blanc de poulet, bon ça comme d'hab, des céréales Nesquik comme ça, donc ça ce sera plus pour Arthur, c'est lui qui a choisi, et Victor et William ils préfèrent donc les Cheerios comme ça au miel. J'ai pris ces deux fromages là qui est en promotion, quelqu'un m'a dit en commentaire qu'on pouvait utiliser ça, le rondelet pour faire la recette, pour remplacer la feta dans la recette avec les tomates au four. Donc ça me donne bien envie, ça a l'air d'être vraiment pas mal parce que c'est vachement goûtu ça quand même le rondelet, donc ça peut être très bien. Un avocat pour mes Pokéballs. J'ai pris des gâteaux comme ça pour les enfants, c'était un lot de 3 et c'était le deuxième moitié prix il me semble. J'ai pris ce gâteau là aussi qui est en réduction, c'est le biscuit marbré bio, je sais pas, il y avait 50 centimes je crois de réduc dessus. Anthony s'est repris un petit stock comme ça pour la semaine prochaine pour son travail. J'ai pris des crêpes comme ça pour les enfants, donc au chocolat noisette. Et deux paquets comme ça de Doritos, comme ceci, pour ce soir. Bon du coup je vous reprends là maintenant pour clôturer le vlog, puisque je vais de ce pas m'occuper de la routine du soir comme d'habitude. Et bah, je vais préparer en fait tout simplement le repas. Je vais essayer de m'y prendre un peu plus en avance bah, que les derniers jours là, parce que franchement c'était un petit peu du gros n'importe quoi. Donc là je vais vraiment essayer de m'organiser mieux le soir pour pouvoir manger correctement et tout et tout. Donc je vais m'occuper de ça maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.